Le vainqueur de l'an passé, il a le dossard numéro 1. Il est avec lui sur la ligne de départ. What do you hope in this race? Hope we shall run better than last year. Eh ben voilà, thank you very much and good luck. Voilà, c'est parti évidemment, cette image du boulevard Michelet, j'en parlais, la foule Marseille-Cassis, c'est évidemment cette image forte avant la Gineste, puis l'arrivée ici à Cassis. Une, j'ai fait un petit calcul rapide, Christelle, 44-25 au 15 km, ça veut dire qu'il faut en gros mettre 15 minutes pour faire les 5 km restants, c'est jouable. Il faisait chaud et puis ça montait, ça descendait. Voilà Michel, Michel, oui. Ça montait, ça descendait. Les surveillants de la pénitence sont au courant de cette liberté oui. Improvisée. Oui, on a le droit, juste le temps de faire la course, après on y retourne. Je sais pas où elles en sont les filles, là. J'ai pas trop en d'indications. En gros, alentour de 35 minutes en haut de la gymnase. 35 minutes, ouais, donc 5 minutes d'écart par rapport au premier garçon. Elles sont complètement dans un schéma de record. La table, un petit peu plus loin, mais à 2 mètres, était occupée par tous les Kenyans et les Éthiopiens. Et j'ai été surpris de voir qu'ils mangeaient tous de gros steaks frites, bien gras. On croyait tous que Bekele allait gagner puisqu'il a fait un sprint. Vous voyez ce sprint, c'est Usain Bolt, hein. C'est Usain Bolt, mais dans la côte des pompiers. Oh là 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 là, moins de 1,5 km. Il est quasiment allez, on va dire à 25, 21 km/h dans la côte. Oh là là, c'est un sprint. Respect. Mais comment fait-il Bekele qui a laissé sur place ces gars? On a croisé tout à l'heure un fou, quelqu'un avec un t-shirt du PSG, enfin avec un maillot du PSG, et qui criait « allez Paris, à Paris !» On va essayer de le retrouver. C'est dangereux ça. On a l'impression qu'il croyait, il croyait avoir gagné, c'est ça? C'est super, on a partagé un truc. C'est ça qui est extraordinaire avec Marseille-Cassis, c'est qu'on partage tous la même chose. Et cette même chose, Michel, c'est quoi? C'est la souffrance. C'est chaud, c'est chaud.